Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une jolie maison. Un jour, elle dit à ses enfants. Vous êtes grands maintenant. Vous devez partir et construire votre propre maison. Les trois petits cochons préparèrent un baluchon Embrassèrent leur maman et s'en allèrent. Le premier petit cochon s'installa près d'un champ. Je vais construire une jolie maison de paille, s'écria-t-il. Le deuxième petit cochon s'installa près d'une forêt. Je vais construire une jolie maison de bois, s'écria-t-il. Le troisième petit cochon s'installa sur une colline. Je vais construire une solide maison de briques, s'écria t-il. Et tous les trois se mirent à l'ouvrage. Les petits cochons couraient, sautaient et dansaient, tout contents d'avoir construit leur maison. Soudain le loup les aperçut. Miam. Comme ces petits cochons ont l'air tendres. Lequel mangerai-je en premier se demanda le loup en se léchant les babines. Peut-être le petit cochon qui habite dans la maison de paille. Le loup frappa à la maison de paille du premier petit cochon. Gentil petit cochon, je peux entrer? Non, vilain loup, va t'en, s'écria le petit cochon effrayé. Alors je vais souffler souffler, et ta maison s'envolera. Le loup gonfla ses joues, souffla, souffla. Et la maison de paille s'envola. Au secours! cria le petit cochon. Et il courut vers la maison de bois de son frère. Bientôt, le loup frappa à la porte de la maison de bois du deuxième petit cochon. <tousse> Gentil petit cochon! Je peux entrer? Non, vilain loup, va-t'en, s'écrièrent les deux frères effrayés. Alors, je vais souffler, souffler, et votre maison s'envolera. Le loup gonfla ses joues, souffla, souffla, et la maison de bois s'envola. En secours, crièrent les petits cochons. Et ils coururent vers la maison de briques de leur frère. Bientôt le loup frappa à la porte de la maison de briques du troisième petit cochon. <tousse> Gentil petit cochon. Je peux entrer? Non, vilain loup, va t'en. S'écrièrent les trois frères effrayés. Alors je vais souffler souffler et votre maison s'envolera. Le loup gonfla ses joues souffla 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 mais cette fois ci il ne réussit pas à renverser la maison de briques. Elle était solide. Le loup était tout rouge de colère. Il s'en alla chercher une échelle. Je passerai par la cheminée, cria le loup. Alors les petits cochons allumèrent un grand feu dans la cheminée et y posèrent un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit par la cheminée, il tomba dans le chaudron bouillant et se brûla le derrière. Il repartit bien vite par la cheminée en criant de douleur, et les petits cochons n'entendurent plus jamais parler de lui. Ansel et Gredet. Il était une fois deux enfants qui s'appelaient Ansel et Greta. Leurs parents étaient très pauvres et ne pouvaient plus les nourrir. Demain, nous les abandonnerons dans la forêt, se dirent les parents en pleurant. Le lendemain, la famille alla dans la forêt. À midi, Ansel et Gretel se partagèrent un morceau de pain. Puis, ils s'endormirent pendant que leurs parents coupaient du bois. Au réveil, les enfants étaient tout seuls. Leurs parents avaient disparu. Apeurés, Ansel et Gretel marchèrent très longtemps dans la forêt. Ils avaient faim, ils avaient froid. À la tombée de la nuit, ils découvrirent une drôle de maison. Les murs étaient en pain d'épices, le toit en chocolat, les fenêtres à la barbe à papa. Ansel goûta la poignée de porte en praliné. Gretel croqua un volet en bonbon. Soudain les enfants entendirent une voix terrifiante Ai je de grignote et grignotons? Qui me grignote ma maison? Oh. Une vilaine sorcière surgit de la maison et attrapa les enfants. Elle enferma un sel dans une cage et obligea Gretel à balayer et laver le sol. La sorcière nourrissait un sel de sucre d'orge, de pâte d'amande et de biscuits. Elle voulait engraisser le petit garçon pour le dévorer. Mais Ansel ne mangeait pas beaucoup et la sorcière en avait assez d'attendre. Tant pis, elle le mangerait quand même. Elle alluma le four. La vilaine sorcière dit à Gretel, entre dans le four pour voir s'il est chaud. Elle voulait aussi manger la petite fille. Mais Gretel avait tout deviné. Je, je ne sais pas comment faire, répondit-elle. La sorcière, qui était aussi bête que méchante, ouvrit le four brûlant pour lui montrer. Et hop Gretel la poussa à l'intérieur. Vite, Gretel libéra son frère. Les enfants découvrirent un trésor dans le coffre de la sorcière. Ils remplirent leurs poches d'or et de pierres précieuses. Ansel et Gretel marchèrent très longtemps et retrouvèrent leur maison. Ils se jetèrent dans les bras de leurs parents. Heureux de les retrouver, et toute la famille vécut longtemps et dans la joie.